Si la procédure de situation en Haïti, selon enquête et MUST réalisée en Haïti dans l'année 2016-2017, il y a enregistré environ 81 cas de décès de timoun sur chaque 1000 timoun qui fait en Haïti. OK? Sur chaque 1000 timoun qui fait en Haïti, nous gagnons environ 81 nan yo qui mouri. OK? Par rapport à la République dominicaine, enquête qui mène en République dominicaine dans l'année 2020 se passé là, il y a environ 24. Est-ce que nous sommes capables de voir la différence là qui gagne? Ça reflète l'image sociale à niveau développement chaque société. Ce n'est pas pour rien que nous avons tout le temps l'hôpital maternité République Dominicaine qui sont un problème République Dominicaine actuellement pour Dominicains, ils sont envahis par les femmes haïtiennes qui viennent accoucher. C'est parce que les conditions des femmes enceintes dans la République Dominicaine jusqu'à l'accouchement sont mieux par rapport à pas. Nous avons vraiment une très grande différence. C'est la raison pour laquelle il est important pour nous accentuer nous sous données, sous éléments pour l'État pays qui connaît qui politique qui supposé appliquer dans le système santé, politique publique, comment capable d'approprier, collaborer par rapport avec chiffres nous gagnons pour être capable de connaître qui décision qui a dans le bénéfice population nous. Même si mortalité infantile ou bien mesure ça, indicateur social ça, li important, mais li toujours représenté un élément gênant côté on va calculer quand c'est timoun qui était supposé à vivre qui mourir sur chaque 1000 qui fait. Mais li important parce que li représenté responsabilité capable dit société a l'État par rapport avec santé population que t'es lié. Si on responsabilité nous cap dit côté l'État faille responsabilité ça, société a faille responsabilité ça, les indicateurs là aussi haut par exemple cas Haïti.